matin, bien vu. Merci d'être là encore une fois, d'avoir choisi de venir adorer Jésus au portail et de me donner l'opportunité de vous enseigner la bonne nouvelle de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est mon meilleur moment de la semaine. Lorsqu'on est ensemble à l'église, en train d'élever le nom de Jésus, prier, juste être là, ressentir sa joie, sa paix et s'encourager les uns les autres, je pense que c'est dur à battre. Si tu es d'accord, dis « Amen ». Si tu n'es pas d'accord, c'est correct, on va essayer de te convaincre. On est dans une série printanière qui se nomme Tribu, courte série, où on a vu, donc c'est des dés, deviens un homme et une femme de tribu, défends ta tribu. On a vu également déploie ta tribu. Et ce matin, le thème de mon message, c'est déclare ta tribu. Toutes les tribus ont un cri de guerre. D'ailleurs, même les enfants, c'est instinctif. Lorsqu'on fait des équipes, on va dire c'est quoi ton nom d'équipe, c'est quoi ton cri de guerre? Et quelquefois, c'est très malaisant. Et même les adultes ont gardé les cris de guerre. Et je sais, vous avez tous vu cette équipe de rugby qui a gardé ce cri de guerre qui vient d'une vieille tribu néo-zélandaise. Donc, vidéo pour nous mettre en contexte. Et il y a une réalité, même l'Église de Jésus-Christ a un cri de guerre. Et notre cri de guerre, c'est quoi? C'est simple, c'est la louange et la prière. La Bible dit de déclarer ta foi. La Bible dit, dans Romains, c'est en croyant du cœur, mais en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça ne veut pas dire que tu dois verbaliser quelque chose comme une formule magique pour être sauvé. Ça veut juste dire que Dieu enseigne que la foi doit être manifestée, doit être extériorisée, elle doit être déclarée. Le chrétien n'a pas juste qu'un nouveau cœur, ça doit sortir, ça doit paraître. Et notre cri de guerre, notre cri de victoire, déclarer sa tribu, notre appartenance à Jésus-Christ, se manifeste au travers deux choses, la prière et la louange. Et c'est ce qu'on va parler ce matin. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi. On est dans le deuxième livre des Chroniques, le verset 20. La Bible dit non seulement que tu dois déclarer ta foi en Jésus-Christ, elle dit d'offrir un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent ou qui déclarent son nom. Louer Dieu, prier, c'est un sacrifice. Dieu dit, je t'appelle à déclarer ta foi, pas quand ça te tente, pas seulement quand ça va bien, pas quand les circonstances sont favorables. Tu dois offrir un sacrifice de louange, un sacrifice de prière. Tu dois constamment déclarer ta foi. Et ce matin, nous allons voir cinq choses que tu dois apprendre pour déclarer ta tribu. Cinq choses que tu dois apprendre. Ce matin, on est dans le texte du roi Josaphat. Pour vous mettre en contexte, une période cruciale. Les ennemis entourent le peuple de Dieu et habituellement, lorsque des gens viennent contre toi, l'ennemi devant toi, le premier réflexe, la chose la plus stratégique à faire, c'est d'envoyer l'armée. Et Dieu va donner une clé différente. Dieu va dire à Josaphat, tu dois agir différemment, tu ne dois pas agir de manière charnelle, tu dois agir par l'Esprit. Et Dieu va lui apprendre la puissance de la prière et de la louange. Et si Dieu a démontré la puissance de la prière et de la louange à Josaphat, Josaphat a appris cette puissance. Je pense qu'encore aujourd'hui, on doit apprendre ou réapprendre la puissance de la prière et de la louange. On doit réapprendre. Il y a des gens, tu t'es joint à notre tribu dernièrement, tu as mis ta foi en Jésus. Ce n'est pas inné, la prière. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, prier, je ne savais pas comment prier. J'ai dû apprendre à prier. J'ai dû apprendre à louer le Seigneur. C'est quelque chose qui s'apprend. On n'a pas à être gêné. Il y a des gens, tu donnes ta vie à Jésus et tu regardes, tu te compares à d'autres. Tu regardes à la prière de Pasteur Phil, tu dis, moi, je ne suis vraiment pas à la hauteur. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Ça s'apprend. La louange, ça s'apprend. Et à toi qui s'es joint à la tribu, je veux juste dire une petite parenthèse. La semaine prochaine, nous avons un baptême d'eau. Dans toutes les tribus, il y a des rites de passage et vraiment une manière justement d'extérioriser ta foi, c'est par le baptême où qu'est-ce que tu fais? Tu déclares qu'avant tu étais mort, mais maintenant par ta foi en Jésus, tu as une vie nouvelle, tu as trouvé un espoir en lui, tu as l'assurance de la vie éternelle, Dieu est avec toi, tes péchés sont pardonnés, il t'a donné une deuxième chance, tu crois que tu as vécu à l'intérieur un changement de cœur qui se manifeste à l'extérieur, donc tu veux simplement déclarer que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, passe dans les eaux du baptême. Donc ce matin, tu peux t'inscrire, même si la formation a eu lieu hier, on vous donne le privilège, l'opportunité de le faire ce matin,
allez au comptoir, prenez un formulaire, retournez à la maison, peut-être le plus simple, sur le site Internet, vous allez dans la section baptême, remplissez le formulaire en ligne, mais c'est encore le temps ce matin, vous avez 24 heures pour vous inscrire pour le baptême qu'il va y avoir la semaine prochaine. OK? Donc, je reviens. Il y a des gens, tu t'es joint à la tribu, tu dois apprendre la louange. Il y a des gens, tu viens d'une autre tribu. Tu viens d'une tribu hyper conservatrice. Tu viens d'une tribu où la louange, s'il y a quelqu'un qui lève les mains, tout le monde le regarde comme le bizarre de l'Église. Tu viens d'une église où si à un moment donné, le pasteur dit quelque chose de bon puis tu dis « Amen », tout le monde se regarde vers toi et font « Chut ». Tu viens d'une église où taper des mains, c'est péché. Tu as besoin de réapprendre la louange. Et tu as des gens, tu viens d'une église d'hystérique. Dans ton église, la louange, tu as du monde habillé en blanc avec des drapeaux qui font des chorégraphies puis tout le monde se garoche partout. Tu as besoin de réapprendre la louange. Vous savez, j'ai toujours dit que j'étais un mauvais nageur et quand j'ai suivi mes cours de natation, ce que j'ai appris, c'est qu'avant d'apprendre, je devais réapprendre. Avant d'apprendre, je devais désapprendre. Pourquoi? Parce que j'étais tout croche. Donc, et quelquefois dans nos vies spirituelles, on va développer des tics qu'on doit se débarrasser, qu'on doit réapprendre. Et en passant, là, les chrétiens, entre nous autres, là, quand on prie, on a des tics. Hein? C'est comme on pense qu'un chrétien, plus que tu dis Seigneur dans ta prière, plus que Dieu t'entend. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour Seigneur, le Seigneur beau, Seigneur frère, Seigneur, le Seigneur Marie, Seigneur de ma sœur, Seigneur. OK, Dieu ne te bénit pas à chaque fois que tu dis Seigneur. Je pense que la première fois, il avait compris. Mais c'est correct, empêche-toi pas de prier, mais c'est des tics qu'on a. Quelquefois, on pense aussi que lorsqu'on prie, on doit devenir comme Hulk. Hein, il y a comme une transformation. Il y a des gens, là, il y a une sœur comme, « Salut, comment tu t'appelles? » « Mireille. » Mireille, est-ce que tu peux prier? Seigneur Jésus! Là, c'est comme la prière de la foi! Maintenant, il y a des gens, je parle surtout pour les nouveaux. Chacun a notre personnalité, chacun. Et encore une fois, tu peux parler à Dieu comme tu parles à des gens autour de toi. Puis oui, dans la prière, on s'enflamme. Moi, le premier. Oui, j'ai tendance à augmenter mon débit. Quand je prie, j'ai tendance à prier comme je prêche. Vite. Puis quelquefois, il faut juste revenir à la base. Et il y a aussi non seulement des gens, tu te joins à la tribu, tu viens d'une autre tribu, il y a des gens, ça fait longtemps que tu es dans la tribu, on a célébré notre 40e anniversaire, des gens, ça fait longtemps que tu es là. Et je pense qu'à un moment donné, on peut devenir blasé. Notre vie de prière peut s'éteindre. Notre louange peut s'éteindre. Et je pense que c'est une occasion de réapprendre, de retourner à la base, de simplement retourner à la base. Vous savez, une des histoires que j'ai déjà racontées qui m'a beaucoup touché, c'est en Afrique, à un moment donné, il y a eu des missionnaires qui sont arrivés dans un endroit reculé et les gens du village, il y a eu un réveil et les gens ont donné leur vie à Jésus. Et rapidement, tu sais, c'est pas tout donner ta vie à Jésus, tu dois développer une communion avec Jésus, une relation personnelle avec Jésus, tu dois lire la Bible, tu dois prier, tu dois chercher sa face, tout ça. Et à un moment donné, ce que ces gens faisaient, c'est que chacun avait sa petite grotte. Et pour aller à sa grotte, évidemment, chacun avait son petit chemin. Et une des choses qui se faisait lorsqu'un frère et une sœur allaient de moins en moins à la grotte, il se produisait quelque chose, c'est que le gazon recommençait à pousser sur le sentier. Puis à un moment donné, il y avait un frère et une sœur qui allaient le voir pour lui dire, « Frère, sœur, il y a de l'herbe sur ton sentier. » Ça veut dire qu'il est temps de retourner à la louange et à la prière. « Frère et sœur, il y a de l'herbe sur ton sentier. » Et ce matin, on veut simplement, dans un moment, s'arrêter et dire, « Seigneur, réapprends-nous la prière et la louange. » Est-ce que je peux entendre un amen si tu es d'accord à ça? OK, donc on retourne à notre texte, 2 Chroniques, chapitre 20. On va y aller étape par étape. Après cela, les Moabites, les Ammonites et avec eux les Maonites arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint dire à Josaphat, donc qui était le roi d'Israël, « Une grande multitude s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis Aram. Ils sont à Atsatsan Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. » Josaphat, et là, les lieux, là, c'est des lieux géographiques, OK, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, Josaphat a eu peur et décida de consulter le Seigneur. Il a eu peur. Il y a des gens, tu es ici ce matin, tu as peur. Tu vis une crise, tu vis une urgence, une situation, tu as peur. Quel est ton réflexe? Quel est ton réflexe quand tu vis une urgence? Quel est ton réflexe quand tu vis une crise? Quel est ton réflexe quand tu reçois une mauvaise nouvelle? Il consulta le Seigneur. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher le Seigneur. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher le Seigneur.
Mon ami, la première chose que tu dois apprendre à chercher Dieu. Deux fois, on nous dit qu'il cherchait Dieu. Pourquoi tu dois chercher Dieu? Parce que naturellement, nous avons perdu Dieu. Lorsque tu nais pas avec le Saint-Esprit en toi. La Bible dit que par nature, on est pécheur. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons perdu quelque chose. L'humanité a perdu quelque chose. C'est comme à un moment donné, ces deux jeunes qui étaient vraiment tannants, 10 et 8 ans, et les parents ne savent plus quoi faire, décident d'amener le plus vieux au pasteur, parce que le pasteur avait le tour, puis ça marchait, puis finalement, il amène le jeune au pasteur, et là, le pasteur regarde le jeune de 10 ans, puis il lui dit, « Où est Dieu? » Le petit gars de 10 ans, il ne sait pas trop quoi répondre. Le pasteur le regarde. « Où est Dieu? » Le petit garçon commence à trembler parce que le pasteur le regarde. « Où est Dieu? » Le petit garçon part à courir, rejoint son petit frère, va se cacher sur le lit. Il dit « On est dans le trouble, ils ont perdu Dieu puis ils pensent que c'est nous qui l'avons. Tu as perdu Dieu et c'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. En passant, prier au nom de Jésus, ce n'est pas une formule... C'est pas une formule magique ou recette parce qu'on dit le nom de Jésus. Et en fait, ce qu'on dit lorsqu'on se tient et on prie au nom de Jésus, c'est qu'on dit « Seigneur, je me présente par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. » C'est pourquoi le nom, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Parce que c'est pas juste un nom, c'est pas juste deux consonnes. Jésus, c'est toute la personne et l'œuvre que le nom représente. C'est le code qui te permet d'avoir accès à la présence de Dieu. Donc, nous avons perdu Dieu et si nous l'avons perdu, nous devons le chercher en Jésus. C'est possible de chercher Dieu. Et de la même manière, quand tu as perdu tes clés, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller chercher. Wow, Pasteur Guetta, on voit que tu es intelligent. Tu perds tes clés, qu'est-ce que tu fais? Tu les cherches, tu ne cherches pas tes clés. Tu es quelqu'un, tu viens pour partir travailler, tu n'as pas tes clés. Tu dis, ben coudonc, je n'ai pas mes clés. Non, tu cherches tes clés. Tu mets de l'énergie, de la volonté, de l'effort, du temps. De la même manière, si tu veux trouver tes clés, tu fais tout ça. Si tu veux trouver Dieu, il va falloir que tu commences à y mettre du temps, de l'énergie, de la volonté, de l'effort. Et la promesse que Dieu nous dit, c'est que lorsque tu cherches Dieu, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Le problème des chrétiens, c'est qu'on cherche des bébites, on cherche des excuses au lieu de chercher Dieu. Tu as besoin de chercher Dieu dans ta vie. Et si tu le cherches, tu vas le trouver. D'un couvercle à l'autre, la Bible dit que Dieu, voici, cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est prêt, Isaïe. Jésus a dit que celui qui frappe, on ouvrira. Que celui qui cherche, il trouvera. Demandez, vous recevrez. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment puissant là-dedans. Et voici le principe. Ne t'attends pas à trouver Dieu dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, si tu ne cherches pas Dieu dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail. Le problème des chrétiens, c'est ça. Le problème de l'humanité, c'est quoi? C'est de vouloir trouver le bonheur, de vouloir trouver la joie et la paix sans chercher Dieu, alors que Dieu est la source de toutes choses. Les chrétiens, on l'a compris, mais concrètement, on s'attend, d'une manière, encore une fois, c'est le thème de ce matin, de manière magique, de que Dieu se manifeste dans des endroits où on ne l'a jamais cherché. Et c'est pourquoi Josaphat savait que l'Éternel était son Dieu, mais il devait le chercher. Puis la première chose, tu as besoin d'apprendre à chercher Dieu. Mais la question qui vient, c'est, OK, Pasteur Gaétan, mais comment chercher Dieu? Je suis content que tu poses la question. La première manière de chercher Dieu, qui est mon deuxième point, c'est apprends à prier. Josaphat va prier. Et regardez, il y a quatre, et là, je vais aller rapidement, prière 101. Au-delà de ce que j'ai mentionné en introduction, comment prier? Qu'est-ce que je dois dire dans mes prières? Mais quand on regarde la prière de Josaphat, le verset 5 à 12, il y a quatre étapes. Premièrement, Josaphat se tient debout devant l'Assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant la nouvelle cour. Il dit, « Seigneur Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Dans ta main, il y a force et puissance et nul ne peut tenir face à toi. » L'adresse. À qui tu t'adresses? Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Vous savez, les musulmans prient Dieu. Les francs-maçons, d'une certaine façon, vont évoquer Dieu, d'une certaine façon.
Toutes les religions vont invoquer Dieu, mais qui est ton Dieu? Et Josaphat ne dit pas simplement un Dieu mystique, il dit, je m'adresse à toi. Premièrement, parenthèse, si Jésus est ton sauveur, tu peux tutoyer Dieu. Tu n'es plus obligé de dire vous. Okay? Si moi je vois la reine d'Angleterre, je vais dire vous. Mais Jésus, Dieu, créateur du ciel et de la terre, je vais dire tu parce que j'ai une intimité avec lui que je n'ai pas avec la reine d'Angleterre. Donc, ce n'est pas merveilleux de savoir que tu as une intimité avec le Dieu créateur et souverain, une intimité que tu n'as même pas quelquefois avec certaines personnes, avec tes parents. Il y a déjà une génération où tu vous voyais tes parents. Mais tu peux tutoyer ton Dieu. Dites alléluia, dites quelque chose. Josaphat dit, « Toi, Seigneur. » Et il parle du Dieu de la Bible. Du Dieu de la Bible. Le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui contrôle toutes choses. Donc, qui est ton Dieu? Vous savez, une des choses qu'on nous apprend dans les cours de secourisme, c'est que lorsqu'il y a une urgence, quelqu'un est en train de faire une crise cardiaque, par exemple, tu ne dis pas « Appelez le 911! » Dis pas ça. Les gens vont dire « Ben oui, il faut dire appeler le 911. » Non, non, ça ne marche pas. Parce que les gens ont tendance à geler. Si, par exemple, il se produit quelque chose, tu dois dire « Hey, toi, avec la chemise bleue, appelle le 911. » Tu dois cibler quelqu'un. La même manière que, quelquefois, les chrétiens, on est tellement dans un magma généraliste. À qui tu t'adresses? Au Dieu de la Bible. Donc, qui est ton Dieu? Et quand tu commences en t'adressant, en présentant, en disant « Voici le Dieu, je sais qui tu es, je connais mon Dieu. » Est-ce que tu connais ton Dieu? Donc, l'adresse. Deuxième chose. « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant Israël, ton peuple, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, celui qui t'aimait? » Deuxième chose, quand tu pries, tu t'adresses à Dieu. Ensuite, rappelle les bénédictions, les exploits passés de Dieu. Rappelle ce que Dieu a fait. Non seulement ça va fortifier ta foi, mais moi je trouve ça bien de rappeler à Dieu ce qu'il a fait dans le passé. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne peut jamais dire, oui, je l'ai fait dans le passé, mais je ne suis plus capable de le faire aujourd'hui. Désolé. Dans le temps, j'étais jeune. Non. Dieu, si Dieu, il y a un précédent, si tu as un précédent biblique, il y a un précédent, tu dis, voici Seigneur, tu l'as fait dans la vie de tel frère, de telle sœur. Tu es le Dieu fidèle qui ne change pas. Tu es toujours puissant. Donc, c'est à ce Dieu-là que je m'adresse. Et si tu l'as fait dans le passé, j'ai pleinement foi que tu peux le faire encore aujourd'hui. Là, tu as juste placé le terrain, là. Okay? Tu as dit, OK, je m'adresse. Puis là, tu dis, voici là ce que tu as fait. Voici la troisième chose. Ils l'ont habité, ils ont bâti un sanctuaire pour toi, pour ton nom, en disant. Et là, ils vont citer une promesse qu'on retrouve dans la parole de Dieu, une promesse qu'on retrouve lorsque Salomon a fait la dédicace du temple. S'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. De notre détresse, nous crierons vers toi. Tu entendras et tu sauveras. Troisième chose, après l'adresse puis le rappel des bénédictions, des exploits passés de ton Dieu, réclame les promesses de la parole de Dieu. Et là, pour réclamer les promesses de la parole de Dieu, là, j'espère que tu es bien assis là, parce que ça va te jeter à terre. Pour être capable de réclamer les promesses de la parole de Dieu, il faut d'abord que tu aies lu les promesses de la parole de Dieu. Il y a trop de gens, tu connais pas ta franchise d'assurance. Tu connais pas ton contrat, tu connais pas l'alliance que tu as avec Dieu. Vous savez, avec ma voiture, il m'est arrivé plein de choses. Là. Merci Seigneur pour ma voiture. J'ai eu un accident qui me donne 8 illustrations dans 3 messages. Je vous ai dit qu'une dame qui m'a arraché mon bumper puis tout ça. Et là, je voulais pas, honnêtement, je voulais pas le déclarer à l'assurance. Je vais le payer parce que, en fait, ça va coûter 700 $. Tu vas payer 500 $ de franchise. Finalement, tu vas sauver 200 $, mais tes assurances vont augmenter. Fait que j'aime autant le payer de ma poche. C'est sage, non? C'est légal. Il y a du monde qui me regarde comme si c'est de la magouille. Non, c'est légal, c'est moi qui paye. Comme moi. Et là, je vais chez mon carrossier, puis là, il me dit, OK, oui, 700 $. Puis là, je me dis, bon, je ne suis pas responsable, je vais payer 700 $. Puis je ne rien dire. Et là, à un moment donné, il me dit, ouais, mais là, il y a telle affaire. Puis là, il y a l'aile qui est bossée. Puis il dit, finalement, il dit, ouais, il dit, pour faire une belle job, c'est à peu près 1 500 $. Oh, mais là, tout à coup, là, j'ai le goût de déclarer. Donc, j'appelle mes assurances, puis là, je me dis, je vais payer. En passant, je ne veux pas me vanter, je n'ai jamais eu d'accident. Donc, je ne sais pas comment ça marche quand tu as un accident. C'est ça, quand tu es un excellent conducteur, c'est des choses comme ça qui t'arrivent. Jamais eu d'accident! J'appelle mon assureur.
Là, je dis, ouais, c'est ça. Il dit, oui, oui. Mais je dis, c'est la franchise. J'hésitais. Tu sais, je suis honnête. Il dit, non, mais si vous n'êtes pas responsable, vous ne payez pas la franchise. Pardon? Elle dit, on va faire une enquête. Si vous n'êtes pas responsable, ils font une enquête, comme de fait, étant un excellent conducteur, vous le savez déjà. Je ne suis pas responsable. Et là, finalement, je me rends compte que ma voiture, il y en a pour à peu près 3 000 $. Mais je ne paye rien. Voici. Mais moi, là, je m'en allais, je me comportais comme un mendiant. J'étais prêt à payer 700 $. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas mon contrat. Puis il y a des gens, des chrétiens qui se comportent comme des quêteurs spirituels. Tu te contentes de peu, ne réalisant pas que Dieu t'offre beaucoup dans sa parole. Mais tu dois connaître la parole de Dieu. Et regarde, Josaphat réclame les promesses de la parole de Dieu. Et regardez, les Ammonites, les Moabites et les gens de la région montagneuse de Séir, chez qui tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient d'Égypte, car ils s'étaient écartés d'eux, ils ne les avaient pas détruits. Ceux-là nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Notre Dieu n'exercera pas, oui, vous l'avez compris, c'est de l'hébreu, tes jugements sur eux. Donc, exercer tes jugements sur l'ennemi, en fait, le mot, là, parlant d'hébreu, c'est la libération. Okay? Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, nos yeux sont fixés sur toi. Quatrièmement, formule une requête précise. Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, par exemple, encore une fois, témoignage personnel, parce que je ne peux pas parler d'une autre vie à part de la mienne. Lorsqu'on a acheté notre maison, on a prié pour plein de choses. Puis une des affaires, à un moment donné, qu'on avait prié, que les enfants voulaient, c'était une chute à linge. Wow! Vous savez, c'est quoi une chute à linge? Tu arrives au premier étage, tu mets le linge sale, puis ça tombe directement en bas. Et nous autres, là, on s'est dit, wow! Mais on a prié pour ça. Puis on a eu une maison avec une chute à linge. Avoir ça, on aurait été beaucoup plus précis. Mais des fois, on est tellement général, Seigneur, béni, béni. Oui, quelquefois, c'est correct. Mais sois précis. Josaphat, il est précis. Sois précis. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu es toujours là, dis amen. OK, puis on continue. OK. Troisième chose que tu dois apprendre. Apprends à écouter la voix du Saint-Esprit. Ça, il y a du stock là-dedans. Tout Judas, verset 13, se tenait devant le Seigneur avec toute leur famille, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit du Seigneur fut sur Yahaziel, lévite dans les fils d'Asaph au milieu de l'assemblée. Et Yahaziel dit, « Prêtez attention, vous tous, Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle le Seigneur. N'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils arrivent par la montée de Tit, et vous les trouverez au bout de l'Oued, en face du désert de Yeruel. Vous n'aurez pas à combattre. » Postez-vous là, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur vous accorde, Juda et Jérusalem. N'ayez pas peur. Ne soyez pas terrifiés. Demain, sortez au-devant d'eux et le Seigneur sera avec vous. OK, je dois faire une mise en contexte de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était seulement sur des leaders auxquels Dieu appelait une tâche particulière. Le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde, hein, d'où la Pentecôte. Donc, Dieu donnait son esprit à la pièce. On le voit dans le livre des Juges où Dieu donne son esprit pour qu'un homme amène une libération. On le voit, Dieu va donner son esprit à un homme pour bâtir la maison de Dieu. Et on le voit dans ce cas-là, Dieu lui donne, il y a le Saint-Esprit donné justement pour un contexte particulier. La bonne nouvelle, c'est que les prophètes ont annoncé un jour, voici, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, nous avons tous accès à cette expérience. Dis amen. Nous avons tous le Saint-Esprit aujourd'hui. Maintenant, quand tu cherches Dieu, c'est un peu comme quand tu cherches un poste, puis tu sais, quelquefois, quand tu n'es pas sur le poste, c'est fatigant. Et là, tout à coup, oh, tu trouves le bon poste, et là, la communication est directe. Avec la vie qu'on vit, quand tu cherches Dieu, ça te permet de te connecter à Dieu. Non seulement ça te permet de parler à Dieu, de chercher Dieu, mais ça permet à Dieu de te parler par son Saint-Esprit. Et il y a des gens, le problème, ce n'est pas que le Saint-Esprit ne te parle pas, c'est que tu n'écoutes pas. Et le Saint-Esprit, dans la prière, dans la louange, va te dire ce qu'il a dit à cet homme et ce qu'il a dit à Josaphat. Alors que tu vis des combats, des tentations, des épreuves, quand tu es dans la louange, puis tu es vraiment dans la louange et vraiment dans la prière, le Saint-Esprit va te dire, n'aie pas peur.
N'aie pas peur. La peur, c'est une des promesses. En fait, n'aie pas peur, c'est une des promesses qui revient le plus souvent dans la Bible. Et on ne réalise pas la peur, ce que ça fait. Okay? On a tous à lutter avec la peur. Et j'ai lu un homme qui s'appelle Obed Carrion, je ne sais pas comment dire, qui est un grimpeur. Vous savez, il y a des compétitions où tu as un rocher et c'est celui qui monte le plus vite. Puis il y a des tournois de ça par élimination. Puis à un moment donné, il restait quatre hommes, quatre grimpeurs. Et c'était celui qui grimpait en haut du rocher le plus rapidement possible. C'était un rocher vraiment escarpé, très, très, très difficile. Et les grimpeurs, ce qu'ils ont fait, cet homme-là était le dernier. Évidemment, tu y vas tranquillement. Tu es là, puis là, tu t'assures. Puis... Et tranquillement, ils ont fait leur chemin. Lui a fait quelque chose qu'on n'avait jamais vu au niveau des grimpeurs. Il a reculé. Il a eu une vision du rocher. Et il est parti à courir. Tac, 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 tac. Puis il a passé au travers. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la meilleure manière de franchir le rocher, c'est d'y aller sans peur. Et souvent dans la vie, on est sur les freins parce qu'on ne réalise pas que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et on est sur les freins. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit va dire, n'aie pas peur, je prends soin de toi. Non seulement il va dire, n'aie pas peur, il va te dire, ce n'est pas ton combat. Ça, ça fait du bien. Ce n'est pas ton combat. Ça va à la maison, c'est le temps des... Le printemps, c'est le temps où les araignées vont sortir. Est-ce que je suis tout seul? Là, j'ai eu peur tout à coup. Je dis, peut-être c'est nous qui on n'est pas propres. Puis, tout le monde a des araignées. Et ma fille a peur des araignées. Puis là, elle me dit, papa! Il y a une araignée! Et moi, comme tout bon père, je réponds, tu l'as toi-même. Je ne serai pas toujours là pour tuer les araignées dans ta vie. Et il y a des affaires, c'est le combat de mes enfants. C'est ton combat, c'est pas mon combat, tu dois apprendre. Mais il y a des combats dans nos vies qui sont trop grands. Si, par exemple, en plein milieu de la nuit, on entend du bruit et toute ta famille se retrouve dans le salon puis on voit une espèce de gros barbu, tatoué, voleur, qui est dans le salon, là, je ne vais pas dire à ma fille, c'est ton combat. On ne va pas faire un caucus. Tout le monde va savoir que c'est le combat de papa. Maintenant, tu ne réalises pas, mais le combat que tu vis est le combat de papa. Ce n'est pas ton combat. Tu dis, oui, mais c'est mon couple. Oui, mais Dieu va combattre pour toi. J'ai déjà parlé de ça. C'est tes enfants, mais Dieu combat pour toi. Il y a une réalité au travail, mais Dieu combat pour toi. Vous savez, mes enfants, là, mon fils ne dit pas, oh boy, comment est-ce qu'on va faire pour payer le compte d'hydro ce mois-ci? Non, ce n'est pas son combat. C'est mon combat. Puis on a besoin de réaliser qu'il y a un paquet d'affaires dans nos vies où Dieu nous dit, ce n'est pas ton combat, c'est mon combat. Je l'ai déjà raconté à un moment donné, moi j'apprends à mes enfants de respecter l'autorité, puis mon fils avait une situation avec un chauffeur d'autobus, puis je dis à mon fils, moi là, aux dernières nouvelles, je vais toujours prendre le côté de l'autorité parce que tu dois apprendre. Sauf que le chauffeur d'autobus n'a pas été correct. Donc, je me suis dit, si moi je demande à mon fils de soumettre à l'autorité, mais l'autorité est mauvaise, ce n'est plus son combat, c'est mon combat. Et la même chose dans la vie, réalise que ton combat est le combat de Dieu. Tu n'es pas seul, il va le faire. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te donner cette conviction-là. Et regardez, le Saint-Esprit donne des directives. Non seulement la voix du Saint-Esprit va te dire « n'aie pas peur », elle va te rappeler ton identité en Jésus, que ce n'est pas ton combat, le Saint-Esprit va te dire également, va donner des directives très, très précises sur ta situation. Je crois que le Saint-Esprit parle. Dans ma vie, OK, je l'expérimente régulièrement. Ou, je vous dis, c'est pas à toutes les... En fait, le Saint-Esprit me parle à tous les jours, mais c'est rendu tellement... Tu sais, on marche avec le Seigneur qu'à un moment donné, on ne fait plus la différence. Puis on, mais je peux dire qu'il y a des endroits, des moments très particuliers où, par exemple, Dieu me prépare d'avance à ce qui va arriver. Il y a du monde, là, tu viens d'arriver à l'église ce matin et tu dis « Où je suis? » Tu es allé à la bonne place. Dieu va me préparer quelques fois d'avance et là, il va se produire quelque chose puis je ne suis pas surpris parce que Dieu m'a déjà préparé par son Saint-Esprit. Des fois, non. Des fois, je suis très surpris. Mais des fois, Dieu me prépare. Puis c'est drôle parce qu'il y a eu des meetings où je riais à l'intérieur parce que c'est comme j'avais déjà eu ce meeting-là. Je le savais, il n'y avait rien de nouveau. Quelques fois, il y a quelqu'un qui me parle puis là, c'est comme, ah, t'as la mauvaise nouvelle puis t'as le Saint-Esprit qui me donne la bonne nouvelle. Puis là, il y a comme une... Tout à coup, au lieu d'être paniqué, je suis dans la paix parce que Dieu parle. Donc, tu as besoin d'être conscient que Dieu veut te parler, Dieu veut te diriger. Il va te donner quelquefois, tu ne sais pas quoi faire. Des situations où
tu ne sais pas quoi faire. Puis là, tu dis, OK, Seigneur, parle-moi, donne-moi une clé, donne-moi une clé de sagesse, donne-moi, montre-moi, donne-moi une directive, ouvre une porte, puis Dieu va le faire. Mais ça, ça se fait quand tu cherches Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu va parler. Puis la troisième chose que Dieu va dire, c'est « Je suis avec toi ». Je l'ai mentionné. Donc, le Saint-Esprit va t'amener dans l'obéissance, mais il va également susciter la paix et la joie. Et ce qui est bien, on le voit dans les Actes des Apôtres, acte 4, lorsqu'ils cherchaient Dieu, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que renouvelés dans la présence de Dieu, Dieu est avec eux. Encore une fois, pour terminer mon histoire de voiture, la semaine passée, je suis avec Pasteur Phil, on retourne à la maison, on est dans la voiture que le carrossier m'a prêtée. Je roule, à un moment donné, je suis à peu près au quart de la gauche d'essence, donc ça va bien. À un moment donné, je dis à Phil, il parle, blablabla, puis là... Là, j'écoute le Saint-Esprit à la place, puis... Puis là, à un moment donné, c'est comme, il se passe rien, puis là, je dis, Phil, il y a un problème. Là, il me regarde quoi? Je dis, ça répond plus. Mais là, tu es sur la 640. Fait que là, il me dit, ah, probablement qu'il manque d'essence. Je dis, non, il manque pas d'essence. Mais là, c'est parce que l'auto a arrêté. L'auto a fait juste, elle est juste sur son air d'aller. Là, il dit, ben, il y a une panne d'essence. Ben non, c'est pas une panne d'essence. Mais là, on commence à débattre si c'est une panne d'essence ou pas. Finalement, je réussis à me tasser. J'appelle le carrossier. Je dis, parce que la voiture m'avait prêté, là. J'ai dit, elle vient d'arrêter. Je dis, ça doit pas être une panne d'essence parce que, je veux dire, il reste le corps. Puis il dit, ah, ouais, le corps. Il dit, ouais, ça m'est arrivé ça l'autre fois. Là, il y a d'autres choses qui parlent en moi, puis c'est pas le Saint-Esprit. Mais, non, mais est-ce que c'est pas ridicule? C'est que tu as une voiture que, encore une fois, tu as la jauge d'essence, mais qui ne fonctionne pas, mais à quoi ça sert? Ça, c'est pas utile. Puis dans la vie, quelquefois, il y a des gens, tu penses que tu es correct, tu penses que tu es correct, mais tu manques d'essence, tu manques d'esprit dans ta vie. T'es comme, tu penses que tu es correct, mais non, tu n'es pas correct. Et quand tu te connectes à Dieu, voici deux choses. Premièrement, il va te dire que ton niveau de Saint-Esprit est très, très bas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te dépanner. Il va le renouveler puis il va te remplir du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un, tu es rentré ici ce matin, tu es vide. Tu es vide de Dieu, vide de la présence de Dieu, vide du Saint-Esprit. C'est-à-dire, oui, ton identité en Christ est là, mais dans ton expérience, tu es juste dans la chair, jusqu'aux oreilles. La bonne nouvelle, tu es rentré vide, mais simplement en cherchant sa face, dans quelques instants, Dieu peut te remplir de son Saint-Esprit, peut te renouveler. Et je termine, presque terminé, verset 18 à 19. En fait, non, je ne vais pas vous donner de faux espoirs, il me reste quand même un petit bout encore. Là. 10 minutes, OK. Verset 18 à 19, parce que là, on va parler de la louange. Quatrième chose que tu dois apprendre, à chercher Dieu, tu dois apprendre à prier, tu dois apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, tu dois apprendre à extérioriser ta louange. Josaphat s'inclina face contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant le Seigneur pour se prosterner devant le Seigneur. Donc voyez-vous, on va s'incliner, on va se prosterner. Les Lévites, d'entre les Kéhatites et d'entre les Cohérites, donc des tribus, se levèrent, des clans en fait, se levèrent pour louer le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'une voix forte. Donc, on voit ici, il y a de la louange, il y a des gens qui sont prosternés, il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui chantent à haute voix. Et voici le principe. Lorsque tu mets ta foi en Jésus, le Saint-Esprit est en toi, il va changer ton cœur. La Bible dit qu'il met, un cantique nouveau dans ton cœur, mais Dieu veut faire sortir ce cantique. Tu dois apprendre à extérioriser ta louange. Le chrétien, ce n'est pas juste celui qui est là. OK, moi, parenthèse, OK? Ça, c'est une affaire d'introverti puis d'extroverti. OK, juste être clair, il y a un enseignement biblique. Pour un introverti, c'est beaucoup plus dur d'extérioriser sa louange que pour un extroverti. Moi, je viens de la génération où quand tu es dans l'église, puis on chante un chant à un moment donné, puis ça bouge, il y a des gens qui faisaient le petit train. OK? Tout le monde fait, ah oui, c'était le bon matin. Non, 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 non. Pour un gars comme moi, c'était, ah non! Dans ma famille, dans les parties de Noël, je ne fais pas le petit train. Dans les mariages, je ne fais pas le petit train. Va te trouver une autre locomotive. Non, je ne veux pas. OK, je te le dis. Et à l'église encore, même au nom de Jésus, le petit train ne me bénit pas. Parce que ce n'est pas en moi, je ne suis pas faite de même. Mais il y a du monde, je te vois, là, puis toi, tu aimerais ça. Pas
Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de tempéraments. Tu as des introvertis, des extravertis. Pour savoir comment... OK, un introverti va être énergisé par la solitude. Un introverti, là, le meilleur moment le plus reposant, c'est être en pyjama à lire un bon livre tranquille. Et il y a des extra... Mais pour des extravertis, c'est comme... Non, mais est-ce que c'est plate? Pour l'extraverti, le meilleur moment, c'est de voir des gens. Voir plein de monde. Puis l'introverti commence à paniquer. Par exemple, pour voir de quel côté tu te situes, à l'église, lorsque le pasteur va dire « OK, c'est le temps d'aller se saluer », il y a des gens, les salutations à l'église, c'est le meilleur moment pour toi. Tu es juste content, tu es juste, t'es une boule d'amour. Tu vas voir des gens que tu ne connais pas, puis « Ah ouais, puis ah, tu es contente ». Puis il y a du monde, c'est le moment le plus angoissant de la réunion. OK, il y a du monde, je compatis avec toi, là. Je compatis, je sais que c'est pas facile, mais tu vas y arriver. Mais c'est nécessaire. Donc, il y a deux choses. Premièrement, l'extroverti doit apprendre à respirer par le nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des extrovertis qui sont très « hallelujah », très « louange, 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 louange ». Puis souvent, les introvertis, on les regarde puis on se sent un peu mal parce qu'on pense qu'on n'est pas spirituel. Il y a aussi une question de tempérament. L'extroverti doit aussi comprendre que la Bible dit « Seigneur, pour toi, le silence est aussi louange ». L'introverti, tu dois apprendre à te fermer un petit peu. Au nom de Jésus. Juste, à un moment donné, là, tu as besoin d'avoir des temps avec le Seigneur, juste de « Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, je veux t'entendre, Seigneur, parle-moi. » Puis Dieu te dit « Tais-toi. » OK? Mais là, je vais parler des autres, OK? Il y a des gens, tu es plus introverti. OK? Toi, tu intériorises les choses, tu analyses. Mais la Bible dit, encore une fois, que la louange, puis Dieu sauve des introvertis et des extrovertis, mais la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Garde pas ça en dedans, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Garde pas ça en dedans, qu'il chante des cantiques. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Tu dis, oui, mais moi, quand je suis assis les bras croisés, là, je le fais de tout mon cœur. Non, ça doit paraître un petit peu. Juste pousser des cris de joie. OK, le paradoxe d'un pasteur comme moi, c'est que je dis, est-ce que je peux entendre des « Amen » Je le dis 50 fois dans une réunion. Mais moi, quand je m'assois et j'écoute un pasteur, là, puis il dit, est-ce que je peux entendre un « Amen » On va attendre un peu. C'est le paradoxe. Puis il y a des gens comme, c'est facile pour toi. « Amen, alléluia. » Il y a des gens, on n'a même pas besoin de te le dire. « Alléluia. » Puis il y en a d'autres, tu dois réaliser à un moment donné, tu dois, c'est un effort, mais tu dois faire cet effort-là parce que tu déclares ta foi. Que tout le peuple dise « Amen, alléluia ». C'est pour ça qu'on le fait au portail. Les gens disent « Ouais, pourquoi qu'on dit « Alléluia, amen ». Pourquoi? C'est dans les psaumes, c'est une manière de, on stimule, on s'énergise. C'est évidemment, ça peut être vide, mais on croit que lorsqu'on le fait avec foi par le Saint-Esprit, ça produit quelque chose. L'apôtre Paul va dire « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains. » Hein, du monde, tu dis ah, « Moi, je ne vais pas lever les mains. » Mais lever tes mains, c'est un signe d'abandon, un signe de, Seigneur, de soumission, un signe d'adoration. Et là, je n'irai pas, là, peut-être je m'éloigne, là, mais je n'irai pas dans la théologie des mains. Moi, j'ai entendu des pasteurs dire « Là, il y a des bonnes manières, des mauvaises manières de lever les mains. Quand tu dis fais ça, tu dis « Seigneur, arrête, ça, c'est pas bon. » Je vous le dis, je l'ai entendu. Ça, c'est correct. OK, on s'entend-tu, là, lève tes mains comme tu veux. Mais il y a comme, là, des gens qui disent « Mais moi, là, je ferai jamais ça. » Ouais, mais regarde, commence comme ça. Tu vas vivre un réveil. Puis encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais il y a une obligation d'extérioriser, excusez-moi, ta foi. Dans la louange, c'est ça aussi. Et la Bible dit, je continue rapidement, « Tapez des mains, prosternez-vous, courbons-nous, qu'il loue son nom avec des danses. » La Bible le dit, « Amen ». Mais j'ai toujours peur parce qu'il y a des gens qui pensent immédiatement, là, qui pensent de chorégraphie. Moi, je loue le Seigneur avec des danses. Vous ne le voyez pas, mais des fois. Mais c'est une danse. On s'entend? C'est la définition d'une danse. Une danse, c'est bouger les pieds sur le rythme. Donc, il y a une liberté dans la louange. Il n'y a pas d'obligation de dire « tu dois le faire comme ça ». Mais chaque personne, et je m'adresse particulièrement aux introvertis pour qui c'est plus difficile, il y a « Dieu te demande ». D'élever ta voix, de faire sortir ta foi. Et là, les gens vont dire, oui, mais pourquoi?
pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Pourquoi est-ce que je devrais... La Bible dit que Dieu connaît mon cœur, donc je n'ai pas besoin d'extérioriser ma foi, évidemment. Mais rapidement, je me suis assis et il y a 6 raisons pourquoi je pense que chaque personne est appelée à extérioriser sa louange. OK? Et premièrement, la première raison, par obéissance. Parce que la Bible dit « chanter », psalmodier. La Bible dit « élever la voix en prière ». C'est biblique. C'est biblique. Dans la Bible, d'un couvercle à l'autre, il y a des prières du cœur, mais la Bible nous appelle à formuler audiblement nos prières. Dans la louange, lorsqu'on psalmodie « Hallelujah », que tu offres ton cantique au Seigneur, il y a une liberté là-dedans. Paul va dire que chanter de tout votre cœur par 3 choses. Des psaumes, donc des textes qu'on retrouve dans la Bible, des hymnes, c'est-à-dire des compositions contemporaines, et des cantiques spirituels. C'est une psalmodie, c'est-à-dire, c'est quelque chose que vous nous voyez faire quelquefois, c'est juste, j'offre ma louange, je chantonne ma louange, c'est un sacrifice que j'offre au Seigneur. Donc, pourquoi? Premièrement, je pense qu'on doit le faire par obéissance. Deuxièmement, et encore une fois, là, c'est un terrain glissant, mais c'est une opinion personnelle. J'en ferai pas une théologie. Le diable ne peut pas lire les pensées de ton cœur. Le diable n'est pas omniscient. Le diable est une créature. Le diable n'a pas accès à l'intérieur, à ton intériorité. Lorsque tu proclames, lorsque tu pries à haute voix, moi, je vois ça comme une manière de résister au diable. Il y a des gens qui disent, « Ouais, mais moi, je ne veux pas que le diable m'entende justement parce qu'il va déjouer mes prières. » Dis-toi que si le diable entend tes prières, Dieu les entend. Je ne pense pas que Dieu peut être battu par Satan. Donc, encore une fois, je ne veux pas en faire une doctrine, mais moi, personnellement, je pense que quelque chose de déclarer ma foi, de prier à voix haute, d'élever ma voix, de faire ma louange à voix haute, je pense qu'il y a quelque chose d'un combat spirituel là-dedans, qui est une manière de déclarer ma foi à ceux qui m'entendent et à l'ennemi. Et à dire, Seigneur, voici. Donc, c'est la deuxième raison pourquoi je le fais. Troisièmement, d'élever la voix, de formuler nos prières audiblement, ça nous aide à focusser. Parce que quand on est comme ça, il y a comme un magma de requêtes, et là, c'est tout à coup, on focus. Quatrièmement, ça nous permet de faire des nuances. Sinon, dans ton cœur, c'est « Seigneur, je suis en colère. Je ne suis pas de bonne humeur, Seigneur. » Mais quand tu pries, tu dis « Seigneur, je suis fâché. » Quelquefois, ça te permet d'élever la voix, de manifester la joie. Ça permet d'apporter des nuances. On le voit dans les psaumes, il y a plein d'émotions qui sont manifestées. Et ça aussi, ça fait partie de la prière. Il y a de la colère, il y a de la plainte, de la lamentation, il y a de la jubilation, il y a de la reconnaissance. Donc, quelquefois, quand on garde tout en dedans, on n'a pas toutes ces nuances-là. Je crois également qu'une dimension de foi, et je prends un texte, encore une fois, j'en ferai pas une doctrine, mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est vrai pour les autres, mais c'est vrai pour nous-mêmes. Je pense que quand tu es là et tu commences à proclamer la parole de Dieu, tu réclames les promesses de Dieu, tu l'extériorises, je pense que quelque chose, ça stimule ta foi. Tu te nourris, tu t'édifies toi-même, il y a quelque chose qui prend place. Je pense aussi pourquoi tu devrais sérieusement considérer à psalmodier, offrir ton cantique spirituel au Seigneur, de le louer dans tes propres mots, que tu devrais prier à voix haute, même si c'est une des plus grandes peurs, parce que c'est un signe d'humilité. Souvent, on ne le fait pas à cause de notre orgueil. La Bible dit « Humiliez-vous et Dieu vous élèvera. » Hey, on va se dire les vraies affaires. Là. Quand moi, je chantonne puis j'ai le micro, là, je ne suis pas à mon meilleur. On s'entend, là? Il n'y a personne qui va dire « Oh wow, Pasteur Gaétan, quand est-ce que tu vas faire un CD? » J'ai eu un beau commentaire dans ma vie. Un nouveau qui est arrivé à l'église, puis il est venu me voir, puis il dit « Wow, quand tu chantes, tu loues le Seigneur comme ça, il y a comme du R&B dans ta voix. » Je fais « Oh yeah! » Ça a été le dernier commentaire que j'ai eu depuis 20 ans. Donc, tu dois, il y a de l'humilité, il y a quelque chose d'unité en même temps, on s'unit, on entend les prières des uns des autres. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que tu devrais avoir dit « Seigneur, donne-moi le courage de, quand tu es là, de formuler tes prières, quand tu es en groupe, dans un petit groupe, ne pas avoir peur de prier à haute voix. On n'est pas là pour impressionner les autres, on est là pour que Dieu nous entende. Tu ne devrais pas avoir peur d'élever ta voix pour offrir ta louange au Seigneur. Tu ne devrais pas avoir peur de chanter de tout ton cœur, parce que pour toutes ces raisons, Dieu va te bénir. » Amen. Et là, je vois le temps avance. OK, assez d'enseignement, on va le pratiquer. Un des problèmes, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, un des problèmes de plusieurs personnes, c'est que tu viens à l'église et tu es rouillé. C'est difficile pour toi de prier et louer le Seigneur à l'église parce que tu ne pries pas et ne loues pas le Seigneur à la maison. Moi, je te dirais,
Prends du temps cette semaine. Pratique-toi. Exerce-toi. Prends 5 minutes. Commence par 10 minutes. Lis un psaume. Chante un chant au Seigneur. Formule une prière. Ça peut être très simple. Mais commence à le développer tranquillement. Moi, je te garantis que tu vas le faire de plus en plus. Tu vas arriver à l'église. Tout à coup, tu vas être beaucoup plus réchauffé. Tu n'auras pas besoin de 2 chants pour te réchauffer. Surtout après le message, tu as besoin de 2 chants pour te réchauffer. Tu es dans le trouble. Parce que là, tu vas être béni dans les annonces. Fait qu'il y a une réalité. Tu as besoin de développer ta vie personnelle. Et je termine. 5e chose que tu dois apprendre. Apprends à combattre par la louange. Donc, voici comment ça se termine. Ils se levèrent de bon matin et partirent pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, mettez votre foi dans le Seigneur votre Dieu et vous tiendrez. Mettez votre foi dans ses prophètes et vous vaincrez. » Donc, croyez à la parole de Dieu, en d'autres mots. Puis, il tint conseil avec le peuple et nomma des chantres pour le Seigneur, qui le louerait pour l'éclat de sa sainteté en sortant devant les hommes armés en disant, « Célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. » C'est leur chant. Au moment où l'on commençait les cris de joie et les louanges, au début, là, le Seigneur plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et les gens des régions montagneuses de Sir qui étaient venus en Juda, et ils furent battus dès le commencement. Dans quelques instants, tu vas commencer à louer le Seigneur. Dès le commencement, le Seigneur peut te donner la victoire dans ton combat. Donc, apprends à combattre le Seigneur. Rapidement, premièrement, mets ta foi en Jésus. Tu es ici ce matin. Tu n'as jamais fait ce pas-là. La foi, la louange, la prière, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, ce n'est pas un rituel. Ça commence par une relation avec une personne. Mets ta foi en Jésus, réalise qu'il est ton sauveur, qu'il est ton Seigneur, suis-le. 2e clé pour chaque personne, quel est ton combat? Je t'ai posé la question il y a quelques semaines. Commence tous tes combats par la louange. Tous tes combats par la louange. Pas par la plainte, pas par la peur. Pas par qu'est-ce que je vais faire, par la panique, pas par rappeler, voici mon, qu'est-ce que tu me conseilles? La première chose, commence tous tes combats par la louange. Parce que dans la louange, Dieu peut te donner la victoire. Et la 3e chose que je te dirais, en terminant, utilise toutes les munitions mises à ta disposition. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Dimanche matin, avec nos 2 réunions, on a une louange au début, on se prépare, et on a une louange à la fin. On est conscient là, qu'on aimerait avoir 1 heure, on ne l'a pas. Mais tu dois maximiser ce moment-là. Et là, j'ai un petit truc, là, c'est pif. Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, la ponctualité. Encore une fois, tout est tellement serré, essaye de profiter de tout ce que l'Église t'offre. Moi, j'ai besoin de chaque goutte, chaque moment, chaque instant dans la présence de Dieu. Donc, et là, je ne dis pas comme une condamnation, je dis comme une exhortation. Essaye de profiter de tout ce que l'Église t'offre. Donc, arrive pas, manquer un chant, déjà c'est manqué beaucoup, donc je vais être ponctuel. Deuxièmement, l'intensité. Chante de tout ton cœur. Sois concentré sur le Seigneur, que tes pensées soient sur lui. Pense pas à ton ragoût, pense pas à tes problèmes, pense pas à ci, pense pas à ce que tu vas faire. T'es là, là, mets tes pensées en Jésus, sois intentionnel, sois focusé, mets ta foi en lui, et premièrement, et troisièmement, excusez-moi, réalise sa fidélité. Ponctualité, intensité, fidélité, réalise que Dieu est fidèle. Et si à chaque dimanche, tu appliques ces 3 règles et tu dis, Seigneur, je vais te louer intensément, puis dans la semaine, tu continues cette louange-là, moi, je te dis, il y a des victoires qui vont tomber dans ta vie comme jamais, parce que tu vas chercher Dieu. Amen.